Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 18, et là je vais vous parler d'un genre un peu spécial, comme vous avez pu voir dans le titre, le thrash musette. Oui, ça existe. C'est comme le carabaré punk brechtien d'Amanda Palmer et des Dresden Dolls. C'est, sans juste de dire, c'est un mouvement plus ou moins inspiré punk, mais qui utilise, au lieu d'utiliser des musiques un peu classiques, utilise le musette. Voilà, le bal musette, avec ses trompettes, avec ses accordéons, avec ses parfois ses paroles un peu, dirons-nous, réservées aux plus de 18 ans. Voilà. Donc, c'est le groupe toulousain qui s'appelle Génération, qui s'appelle les Rasta Mitsuko. Voilà, ça bien sûr. Et Rasta Mitsuko, vous voyez déjà rien que le logo, c'est vraiment du trash musette. C'est-à-dire, si on descend sous la en fin de page, trash musette is not dead. Est-ce que c'est un clin d'œil au punk is not dead des années 79-80? J'en sais rien du tout. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est assez spécial. Donc il y a deux options, soit vous pouvez télécharger gratuitement l'album et le partager sur le site officiel, soit contre un petit quelque chose. Vous pouvez contacter directement le groupe et vous pouvez retirer soit en main propre si vous êtes près de chez eux, soit par courrier papier, un exemplaire de cette petite chose. Voilà. Étant donné que je suis un vieux con qui collectionne des albums. Voilà. Et je vous montre le CD qui est tout à fait sympa. Voilà. Donc déjà, on voit le clin d'œil au Rita Mitsuko de Fred Chichin et Catherine Ringer. Déjà, il y a un gros clin d'œil au Rita. Donc, on a aussi bien des textes très engagés, enfin très engagés, dirons-nous, assez engagés comme Conscience collective, Ma mauvaise résolution, des textes un peu plus, dirons-nous, ironiques, comme L'ivresse quotidienne ou La vasse imbibée, voire des titres qui sont carrément paillards et qui s'appellent En toute humidité. Oui, pas la peine de préciser quelle humidité il s'agit. Vous avez deviné, bande de petits cochons, va. Donc c'est vraiment excellent, c'est un album que je vous recommande, écoutez-le. C'est vraiment sympa. Et un titre que j'aime beaucoup, c'est Sale Rouquin. Ça n'a aucun rapport avec une quelconque rouquinophobie ou autre chose. Non, non. Vous comprendrez, c'est vraiment excellent. Donc, je vous le conseille, cet album. Au pire, vous l'écoutez. Mais voilà, je vous le remets ici. C'est les Rasta Mitsuko. C'est excellent. Je tiens à remercier Anfamous Resistanza qui m'a fait connaître le groupe via la Framasphère. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'oubliez pas, Trash Musette is not dead. Ciao.